Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 3. Donc on va reprendre sa quête à lui là. Je trouve vos interruptions éprouvent. Oui. Des expériences, qu'est-ce que vous voulez dire? Nanana. Ok, vous avez une version pour les... Donc, doucement professeur. Alors. Qu'est-ce qui a mal tourné? Eh bien, je crains d'avoir fait une légère erreur lors de la préparation du mutagène. Non, c'est vrai. Au lieu de rétrécir, elles ont acquis un... Ça, j'ai bien ce qui me semblait. Je pourrais peut-être corriger... Une erreur. Des gens sont morts, let's go. Un petit prix à payer pour les profs. Salaud. Quelques-uns meurent, mais une fois le mutagène amélioré, beaucoup plus survivront. C'est le seul moyen de corriger cette erreur et de modifier le... Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Puisque vous proposez de m'aider, je vais vous expliquer. Merci. Mon terminal portable est dans la nurserie, près de la reine des fourmis. Si je peux l'atteindre, je pourrai continuer à améliorer le mutagène. Si ceci c'est la reine, pourquoi ne pas s'occuper d'elle directement? S'il lui arrivait le moindre mal, des mois de travail seraient perdus. Votre objectif serait d'éliminer ce que j'appelle son quintet de gardiens du nid. De vraies abominations. D'accord. Comment est-ce que ça va réparer toutes vos conneries? J'ai fixé le matériel sur mon terminal portable afin qu'il émette ce que j'appelle une impulsion d'inhibition. D'accord. Si j'envoie cette impulsion, toutes les fourmis restantes vont perdre leur liaison avec la reine et s'entretuer. Voilà, c'est tout ce que... Ce ne sont pas des bougains qui vont me payer mes munitions. Vous avez de laine? C'est du boulot, Doc. Une bonne prime serait la bienvenue. Ces bouquins ne suffiront pas à payer... Ce ne sont pas ces bouquins qui vont payer mes munitions. Pourquoi l'homme ne peut-il prendre exemple sur la fourmi? Il ne leur faut ni richesse, ni bien matériel. Oui, bon. Mais je m'égare. Si vous voulez une récompense, je n'ai à offrir qu'un bio-accroissement mutagène. Bio-quoi mutagène? J'ai réussi à isoler certains gènes des fourmis de feu et à les distiller pour former des améliorations génétiques sans danger pour les humains. Ça semble intéressant. Je peux vous injecter une de ces formules. Force ou perception? Mieux encore, vous résisterez. Parfait. Parfait. C'est du boulot, Doc. Une bonne prime serait la bienvenue. Oui, je pense que vous avez raison. La... J'allais vous proposer l'un de mes bio-accroissements mutagènes. Je vous offrirai aussi ma vieille blouse de labo. Elle m'a servi pendant toutes ces années et pourra... Parfait. Si ça doit empêcher les fourmis de brûler tout grédit, je marche. C'est... Faites attention. Je dois y aller. Enfin... C'est parti. J'imagine que c'est par là. Seul souci, c'est qu'il va falloir vraiment s'armer comme il faut. Hop. Impressionnant qu'il n'y ait déjà personne ici. D'accord, oui, la nurserie est en fait une pièce à part. Hop, on dégaine quand même, sauvegarde rapide et on y va. Donc je pense qu'on augmentera la force hein, pour tout simplement augmenter notre capacité de port d'armes. Déchets de fourmis, nectar de fourmis, pourquoi pas. Pourquoi je peux pas utiliser mon... Gardien de nid de fourmis, d'accord. What? Ah oui, il est hyper résistant en fait. Bouffe, 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 bouffe. Infirme de la tête. Hop les F5. Et de une. J'y vois strictement rien, chers amis, excusez-moi. Je voulais changer ma position de jeu parce que sinon j'y vois rien. Donc j'ose pas imaginer pour vous, malheureusement c'est nécessaire.
Hop, un instant. Re, chers amis, pile au même moment quand même, hein. Alors. Dis au revoir à ta tête. Hop, et de deux. Ah, par contre, on a des trucs. Ah non. Suc de fourmi de feu, nectar de fourmi, c'est quoi? Ouh, intéressant ça. Mais bon, on continue. On n'est pas là pour ça. Je le vois. Parfait, juste ta tête, c'est tout ce qui me suffira. Ah, j'ai raté. Il ne me voit plus, il sait plus où tirer. Parfait. F5. C'est marrant qu'il n'y ait pas plus de... What? D'accord, lui il protège la reine. Et j'ai le choix d'aller tuer la reine s'il le faut. Il y en a deux, vous êtes sérieux? Oh. Allez, ramenez-vous. Allez, meurs. À ton tour. Boum. Voilà. Et de deux. Voilà. Pourquoi pas? Le tas de cendres, il est où? Tas de cendres. Là? Non. Ah, je le vois. Je suis trop plein. Ah, j'ai déjà un truc en trop. Nectar de fourmi, non, j'ai pas envie de le manger, ça non plus. Ah, là, là. Attends, on a lâché qu'un. S'il vous plaît. Merci. Voilà, comme ça je suis encore mobile. Et je me planque de cette reine. Qui m'a repéré. Voyons voir, j'ai juste envie d'aller voir un truc là-dedans. Something. Replicate Amplifies. Non. Oui, elle m'a vu et alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Repairing. Reminding. Reconnaise. Non plus. Reconnaise. Archia. Protected. Ah. Protected. Conducted. Ouh. Convinced. Blocage en cours, dommage. Hop, on va retenter d'y aller tranquillement. Je l'ai tenté jusqu'au bout, hein. Ne pas blesser, donc elle peut nous voir. Hop. Concerned, non. Correctly, ah, c'était bon. Parfait. Envoyer un peu sur le prélèvement mutagène, synthétiser la nouvelle formule mutante. Ok, ça s'est plutôt bien passé. Alors, on va pas faire de sauvegarde rapide. Oula. Alors, pourquoi je suis trop lourd d'un seul coup? Grand livre de science. Oui, d'accord.
On y va. Hop là. On va voir ce qu'il en pense, le trou du cul. What? What? Comment elle me suit comme ça? What? Elle passe à travers les murs, voilà autre chose. On va juste aller voir si ça lui plaît ou pas à l'autre trou du cul, parce que si ça ne lui plaît pas, il est possible qu'on ait fait ça un peu trop vite. On va bien voir, on va bien voir. Yo! Mes instruments indiquent des changements. Oh, c'est mal! Allez, plus vite, vous me direz. J'ai tué toutes les gardiennes du nid. Dans ce cas, je vais rejoindre sur le champ mon terminal portable. Merci pour tout, vraiment. Je suis prêt pour l'injection de biocroissement mutagène et la blouse, Doc. C'est magnifique! Voilà la blouse de labo promise. Je suis certain. Quelle injection voulez-vous? La. Performance physique ou performance de perception? Performance physique. C'est magnifique! Voilà. Aïe. Ça pique. Et je résiste complètement au feu. Parfait. Pourquoi tu t'enfuis? Pourquoi tu t'enfuis? Bon bah écoute, have fun hein. Moi je vais la bousiller là quand même, la reine des conneries là. J'ai pas peur d'elle, donc je vais aller la bousiller. Par contre oui, j'ai perdu beaucoup de munitions avec ces conneries. Ah, retour à la planche à dessin. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je dois faire de Brian? Vous devriez l'emmener. J'aurais... Vous ne voulez pas assumer la responsabilité de l'amendement. Vous nous répondez que vous avez briqué. Voilà. Vous avez vos idéaux. D'accord. Tous les siens. Si je me laisse influer. D'accord, les émotions c'est nul. Je n'ai pas de temps. D'accord, bon, il aime pas les gamins. Eh bien, je vais poursuivre mes recherches. D'ici là, je resterai dans ma cabane à côté. Eh ben, have fun, bro. J'ai juste envie de voir comment ça va se passer, chers amis, entre lui et elle. Juste attendre une heure pour voir. Hop. En espérant que ce soit bel et bien arrivé là-bas. Je ne le perçois plus. Je vais donc croire que oui, il est bien arrivé. Et on va aller voir ce qui lui est justement arrivé. Voilà. Apparemment, elle ne m'aime pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà. Oh! Votre karma a augmenté. Parfait. Bonjour, madame. Alors, j'essaie de mettre en mesure de pouvoir péter vos antennes. Elle est, ma foi, assez résistante. Oh! Voilà. Oh! Oh! Ah, mais elle est dégueulasse! Qu'est-ce que je peux viser là-dessus? Ah, j'ai pris cher. Sale bête. Oula, il y a un problème à mon avis là. Bon, on sort les trucs qui font mal, je pense.
Voilà. Meurs. Voilà, merci. Qu'est-ce que t'avais sur toi? Hein? Phéromone de reine. Ben voilà, pour je te les prends. Votre sécurité, merci de ne pas... Ferme-la! Approchez. Oui, qu'est-ce que vous voulez? La clé de chiffrement. Je veux la clé. Je regrette. Signature ferme ta vocale bouche. Non reconnue. Qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Que du caca. Bon, il n'y avait rien. Voilà. Au final, la tuer ne m'a servi à rien à part gaspiller mes points de vie. Si j'avais su, j'aurais sorti le... la Kalachnikov avant. Voilà, c'est dit. Parce que là, je vais me sentir obligé de rentrer quelque part. Récupérer ma santé au lavabo ou aux chiottes, ça dépend. Fait chier. C'est quand même bien cette arme là. Vivement qu'on puisse améliorer toutes ces armes là dans Fallout 4, chers amis, j'arrête pas d'y penser en ce moment. Ça va être une putain de tuerie. Cependant, je serais curieux de savoir où est-ce que mènent tous ces tunnels. Ça tombe bien que tu sois plus là, mon pote. Hop, on va regarder là-dessus. Unlocking. Repairing. Non. Assistant, non plus. Mon karma a diminué, j'en ai rien à foutre. Legendary. Legendary, je vous dis tout ça. Delivered, non. Beginning, voilà. Il m'affiche pas clé de chiffrement ou n'importe quoi. Il m'affiche rien. Des nouilles. Terminal de labo. Machin médical, machin médical. Bon bah pourquoi pas. Ok, moi je viens par là, je voulais aller par là. Me semble-t-il. Wouhou! Eh oui, je résiste aux flammes maintenant. Ah bah non, pas tant que ça en fait. Je résiste pas tant que ça aux flammes. Je suis assez vexé en fait. Je pensais résister un minimum plus en fait. William Brandis. Clé de William. Bon bah écoute. Pistolet laser, je prends. Viande de fourmi, je prends. Ça aussi, je prends. Cellule énergétique, je prends. Lunette de moto, je vais prendre aussi pour le fun. Donc, j'ai tout pris. Et je vais réparer tout ça. Je vais réparer un bon paquet de choses. Alors, déjà. Voilà. Le couteau, je le vire. Et le pistolet laser, je le répare. 8, toujours. De ce côté-là, on est bon. Hop, avant d'utiliser mes trucs. Voilà. Par contre, du coup, j'ai deux coffres dans cette zone que je n'ai pas trouvé. Armoire à outils, il y avait une ventouse dedans. Des munitions ici, des mines. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. Cependant, oui, le problème reste le même, il y a des choses que je n'ai pas. Tiens non.
Il y a un passage là-bas. Allons voir. Oh. Terminal. Resting. 6 sur 7. Testing. Voilà. Merci. Déverrouille. Ah, je suis con, j'aurais pas dû déverrouiller. Oh, clé de Grady, la voilà. Oh! Déshabiller Coca. Alors là, juste pour la fin de l'épisode, chers amis, je vais vous le mettre. Oh là là. On récupère ça et je vous refais le finish, chers amis. Oh, l'éventreur, génial. Boîte en métal, bloc-notes finance, couteau. Ok, pourquoi pas. Caisse de mine, ils aiment bien les mines dans ce jeu, hein. Prendre tout ça. Je ne le demanderai qu'une fois. Ouf! Passe-moi le déshabillé coquin. Ça, je garde et tu ferais bien de ne pas t'approcher, sinon ça va m'énerver. Mauvaise réponse en... J'ai pas fait de sauvegarde avant. J'en ai fait une là. J'aimerais bien pouvoir lui parler correctement à cet homme. Ah oui. Falloir qu'on le refasse. Bon. Y a pas testing quelque part? Confirme. Non. Joining? Non. Forcément. Décorum, voilà, c'était ça. Et donc, voilà, on a récupéré l'XP. Maintenant, on croche la serrure. Ça en gagne deux fois plus d'XP. Sauvegarde rapide. On récupère tout ça. Et on vire ce qu'on a pris en trop. Voilà. Et on équipe donc ce qu'on a de mieux pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Le déshabillé coquin en l'occurrence. Et donc normalement quelqu'un devrait venir. Le voilà. Je ne le demanderai qu'une fois. D'accord, je Voilà, me suis là t'as bien voulu. planté. C'est à toi, ok. Maintenant, fais gaffe. Nugnut. Ouais, continue ton chemin. 1. Tu me plais pas, Nugnut. Tu me parles très mal et j'aime pas ça. Je dois te sauver la peau en plus. Ah bla. Ah puis on a une deuxième qui arrive en plus. Forcément, ça m'étonne qu'à moitié de toute façon. Voilà. Une sortie. Hop, on n'a rien là-dessus. Quand même progresser, j'ai envie d'aller voir le reste, moi. Ah oui, je me rappelle de ça. Voilà. Voilà. Que demander de plus? Nuka-Cola, Nuka-Cola, Nuka-Cola. Ça en vire, ça en vire. Ça on vire. Ça on vire.
Par contre, j'aimerais bien être. Enfin, que ça baisse un peu plus les trucs, quoi. Piste les 32, tu dégages. Ok. Donc là, c'est de là d'où on vient, donc ça ne m'intéresse pas d'y retourner. Cependant, on va aller là-bas et on va sortir par là-bas et rejoindre ensuite à nouveau Gridwitch, Grey Witch, ou je sais pas comment ça s'appelle, via le téléportation, tout simple. Apparemment, il y a une sortie par là. Parfait, on attend quelques heures. Et moi, je vais vous laisser là, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas, si vous le souhaitez aussi, à... comment... À regarder dans la bannière de la chaîne aussi, pour mon partenaire GamesPlanet.com. Donc, ils vendent des jeux, enfin, en tout cas, des clés Steam à prix réduit, des clés Steam officielles, attention. Rien de bloquant, en fait, au niveau de Steam. Comme ça peut parfois arriver, surtout depuis, en fait, différents systèmes de taxes, en fait. Donc voilà. Vous pouvez aussi retrouver dans le descriptif de cet épisode tout simplement les liens vers GamesPlanet.com de Fallout 3 en GOTY, de Fallout New Vegas, de Fallout New Vegas en Ultimate Edition et pour ceux qui veulent précommander, Fallout 4. Voilà les amis, donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!